Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test d'un traducteur, de la marque Vormor, modèle T9. Le problème des traducteurs, si on tape sur Google traducteur T9, ben, on va tomber sur beaucoup de choses. Mais bon, celui-là, ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens en description si celui-là vous intéresse. Donc on va regarder un peu les caractéristiques, hein. Tour de la boîte, on ne saura pas le faire puisque ben, c'est une boîte assez neutre. Et on va faire bien sûr le déballage et on va voir ensemble ce qu'on peut faire avec ce traducteur et vraiment s'il est vraiment et réellement plus précis que les traducteurs qu'on trouve en ligne. Allez, on fait quand même un petit tour de la boîte hein, pour voir l'aspect. Donc là, ils nous mettent donc traducteur vocal. Ok, traducteur vocal. On a à quoi ressemble le traducteur. Hein, ça ressemble à un genre de téléphone. Voilà, hop, téléphone à l'ancienne. Allez, on déballe. Donc il n'y a pas de scellé, il n'y a rien. Donc j'ai reçu ça comme ça. Hop, on a directement le traducteur. Je n'ai même pas déballé, je ne saurais même pas vous dire si il fonctionne ou pas. Comme d'habitude, hein, moi je fais tout en direct. Donc si ça ne fonctionne pas pour moi, ben hop, retour SAV. Hein. Mais bon, ça m'est jamais arrivé. Hein. Bon, ici, on a. Hop. On a un câble. C'est de la micro USB, donc on va le recharger en micro USB. Donc c'est bien, ils nous mettent le câble de recharge, mais il n'y a pas d'adaptateur secteur. Donc, ça aurait été bien un adaptateur secteur, mais bon, c'est pas grave. Voici le manuel d'instruction. Donc, on va essayer de trouver le français. Donc dans les caractéristiques, ils nous disent qu'il peut traduire 106 langues. Qui a une caméra, donc on peut traduire en instantané les textes et on peut regarder par exemple une vidéo YouTube ou autre, un film et ça peut traduire. Bon, on va tester tout ça. Donc il a un écran, donc on va le voir ça de 2,8 pouces. Je sais même pas s'il y a le. Ah voilà, français, c'est les dernières pages. Comme ça, si vous cherchez comme moi, à partir de la page 29. Et ils mettent ici, bref, description. Ok, donc, ok, bon. Le traducteur vocal intelligent T9 est un produit matériel d'intelligence artificielle. Ok, donc on va pas tout lire. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bouton au milieu, ce sera le bouton d'alimentation. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça. Comme ça, on va découvrir ensemble en direct. Parce que même moi, hein, je ne sais pas, c'est la première fois que je teste un traducteur vocal. Voilà, c'était une petite saleté qu'il y avait dessus. Je pensais qu'il y avait un petit impact, mais non. Bon, de toute façon, il y a un film protecteur d'écran. Donc il y a un petit film protecteur d'écran. Voilà, en tout cas, il a l'air de qualité et il est beau. Un peu sale, mais il est beau. On dirait que c'est une coque en aluminium. Voilà, donc je sais pas si ce que ça va donner dans le temps, si ça va se griffer ou pas. Et les couleurs gris anthracite, donc il est vraiment très beau. J'espère que ça se voit bien à l'image. Donc vraiment la qualité, il est vraiment beau. Allez, on va regarder à quoi servent les différentes touches. Donc on prend le manuel. Donc en 1, on a le bouton d'alimentation. En 2, ici, bouton de traduction en rouge, ici. Donc ça, c'est le bouton de traduction. Donc on va enregistrer sûrement. Bouton de traduction en bleu. Donc ok, il y a deux boutons de traduction, donc un rouge et un bleu, donc ça il faudra voir à quoi ça correspond. On a un écran tactile, donc ça c'est bien, on a un écran tactile. Trou du microphone A, donc c'est ici, donc le cinquième. Trou du microphone en B, donc il y a deux micros,
Donc il y en a un ici, que je vous montre correctement. Ici et un ici. Le haut-parleur en 7, il y a le haut-parleur bien sûr, une grille de haut-parleur ici à l'arrière. Voilà. Et en 8, on a la caméra. Ça c'est sûr, on l'a bien vu, ça on reconnaît facilement avec le haut-parleur. Et le port de charge qui se trouve tout en bas. Donc un port micro USB. Et ici, il y a un autre. Ici, il y a un autre trou. Je sais pas si vous voyez. Trou de suspension. Ok, donc on peut mettre une sangle qui ne fournissent pas apparemment. Parce que c'est vraiment, on a le minimum dans la boîte. Dans la boîte, hein, vous avez vu, c'est tout ce que j'ai. Donc, bien sûr, le traducteur, le câble de recharge et le manuel qui nous sera très utile. Puisque, comme moi, je connais pas un produit, première chose que je fais, c'est je lis le manuel. Donc moi je vais apprendre à m'en servir. Donc je vais l'allumer. Je vais apprendre à m'en servir. Et on se reverra pour les différentes fonctions de traduction. On va d'abord faire un petit allumage pour voir s'il y a de la batterie déjà. Et pour voir s'il est sympa. Niveau affichage. Bien sûr s'il y a de la batterie. Bon, apparemment il n'y a pas de batterie. Donc ils nous disent bien ici charge, donc avant d'utilisation, chargement de la batterie, veuillez vérifier que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser l'appareil. Si l'appareil ne s'allume pas ou reste bloqué, essayez de charger l'appareil avec le câble d'alimentation assorti dans la boîte. Il est recommandé d'allumer l'appareil après une charge de 1 heure ou après la batterie est complètement chargée. Si l'appareil est mis hors tension pendant la charge, une grande icône de charge s'affichera sur l'écran pendant environ 8 à 10 secondes et il indique le pourcentage de puissance de la batterie. Donc je vais prendre un câble de recharge et on va le recharger ensemble, comme ça on va voir. Donc on fait le branchement. Voilà, on patiente un petit peu. Voilà, donc après bien 5 minutes que je l'ai mis en charge, la batterie, ben, comme il disait dans le manuel, faut pas stresser. Hein. La batterie, ben, elle a besoin d'un petit coup de charge, parce que ça fait apparemment très longtemps qu'elle n'a pas eu à manger. Donc il faut vraiment la laisser sur le chargeur, pas s'inquiéter, et après vous allez avoir le logo qui va s'afficher. Donc moi je vais encore laisser un petit peu en charge avant de l'allumer. Et on va voir l'allumage. Bon, ça fait une heure que je recharge. La batterie est à 14%. Et dans le manuel, ils nous disent bien, après une heure de charge, qu'il faut allumer l'appareil. Bon, ça a bien mis, comme je vous l'ai dit, 5 bonnes minutes. Donc ça a mis 5 bonnes minutes avant que le logo de la batterie... Bah, ça s'allume. Donc il faut rester appuyé normalement 3 secondes et ça devrait s'allumer. Bon là il veut pas s'allumer. Hein. Bon, je vais peut-être enlever d'abord. Ah voilà, bon, il faut enlever le chargeur pour que ça s'allume. Ça ils ne le disent pas dans le manuel. Donc, tout se trouve. C'est un joli démarrage en tout cas. Donc, tout se trouve ici en page 30. Kit de démarrage rapide avant utilisation. Voilà. Donc ils disent que la batterie est déjà faible, c'est normal. Et là on a une interface à première vue en anglais. Donc l'écran est bien tactile, donc il nous demande directement une connexion internet dans Settings, donc système langage. Donc j'espère qu'on a du français, voilà, on a du français. Hop. Donc voilà, on a changé le langage et on verra ensemble les différents paramètres. Moi je vais remettre en charge, on va voir si ça charge déjà allumé.
Voilà, ça charge déjà allumé. Donc moi je vais continuer la charge et on se reverra pour voir les différents paramètres. Allez, faisons un peu le tour des paramètres pendant que ça charge. Donc là, pour la première recharge, je suis quand même 29%. La recharge sera quand même extrêmement longue. Donc on a une batterie interne de 2100 mAh avec une autonomie donnée de 10 heures. Donc, ce qui reste assez raisonnable pour 2100 mAh. Après, ça dépendra d'usage. On pourra régler la luminosité de l'écran et tout. On va voir ça dans les paramètres. L'appareil, pour traduire, malheureusement, il a absolument besoin du Wi-Fi, donc d'une connexion Internet. Donc, on a une connexion réseau et on a les différents paramètres. Donc, d'abord, on va voir dans les différents paramètres. Donc, là, on peut régler la luminosité. Donc, c'est un écran tactile, je suppose que. On peut baisser. Ah non, il faut quand même cliquer sur. Voilà. On a le contrôle du volume. On a le Wi-Fi qui est ouvert. Voilà. Donc le Wi-Fi. On a le Bluetooth. Système de la langue, ça on l'a vu pour choisir sa langue de paramètres. Enregistrement d'usage clair, je ne sais pas c'est quoi. Êtes-vous sûr de vouloir effacer tous les enregistrements d'utilisation de cette machine? La modernisation du système, je ne sais pas c'est quoi. Erreur réseau, veuillez consulter le réseau. Ouais, ok, donc ça c'est pour les mises à jour. Donc c'est vrai que la traduction du traducteur n'est pas parfaite. Pour appareil, je sais pas c'est quoi, modèle T9, ok, numéro du modèle, version, ok, donc ça c'est pour la mise à jour. Voilà. Hop, allez, connexion, on va connecter, donc je vais connecter à mon réseau, donc c'est du Wi-Fi 2,4 GHz. Donc moi je connecte, je fais le mot de passe. Voilà, donc vous mettez votre mot de passe, c'est validé. Et voilà, le réseau est connecté. Donc, bon, maintenant on est connecté au réseau. On va regarder s'il n'y a pas une mise à jour. Hein. Modernisation. Déjà la version la plus récente. Ok. La langue. Système de langue. Donc on va voir toutes les langues qu'il y a. Donc on a le chinois simplifié, le chinois traditionnel, l'anglais, le japonais, le coréen, l'allemand. Le français, le russe, le thaï, l'espagnol, l'italien, le vietnamien. Donc ça, c'est la langue du système. On va tester bien sûr les traductions. Donc je vais commencer par le test de photo. Donc pour voir si la traduction se passe bien. Donc j'ai pris une boîte avec d'une ancienne caméra. Et c'est vrai que j'ai jamais traduit ce passage-là. Donc je vais faire une photo, je vais vous montrer en caméra. Hop. On fait une photo. Là on a bien le texte en entier. Donc c'est facile, il y a juste une phrase. Donc là ils nous traduisent directement. Caméra intelligente, Xiaomi, édition Volkswagen. Ok. Donc c'est ça qu'ils nous disent. Ok. Édition Volkswagen. Donc, je ne sais pas si c'est correct. En haut. Bien sûr, il faut paramétrer, hein. Donc il y a le choix de la langue, donc du texte. Donc s'il n'y a pas une reconnexion, une reconnaissance automatique de la langue, donc ça je trouve ça dommage. Donc il faudra reconnaître vous-même c'est quoi la langue d'écriture. Bon, en général, on le sait, mais parfois c'est vrai que c'est possible que on a un document et on ne sait pas en quelle langue c'est écrit. Et si on doit le traduire, c'est embêtant. Là, on voit, on choisit la langue source et après, bien sûr, la langue de traduction qui est le français. J'aurais pu le faire en anglais aussi ou autre, hein. Allez, maintenant, je vais faire la même chose, mais avec Google pour voir ce que Google nous dit. Donc, je vais prendre, donc c'est écrit en chinois, Google Traduction, appareil photo. Voilà, je vous le fais. Donc je serai pas. Donc je vais faire ça. Voilà. Donc il nous met caméra temporaire Xiaomi version Volkswagen. Et ici ils nous mettent
caméra intelligente Xiaomi édition Volkswagen. Donc là, le traducteur est un peu plus précis. Maintenant, on va tester avec un texte plus long. Allez, j'ai pris un texte ici, par exemple, en thaïlandais. Donc je choisis la langue du Thaï. Voilà. On fait la photo. C'est pas évident avec un écran petit. Donc il est 2,8 pouces, mais ça reste petit comparé à son téléphone. Bon, ça traduit, mais on voit quand il y a beaucoup de texte. Donc c'est un peu les lignes l'un sur l'autre. Je vous montre. Donc veuillez lire attentivement et conserver pour référence future. Voilà, donc c'est compréhensible. Mais il y a un peu du fouillis, donc le texte est un peu l'un sur l'autre. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Allez, on va faire la même chose maintenant avec Google. Du thaïlandais, on choisit la langue. Bon, Google, c'est gratuit, hein. C'est gratuit et il faut une connexion Internet aussi. Donc il n'y a pas de différence entre les deux, sauf qu'avec mon téléphone, j'ai l'avantage bah, que j'utilise tous les jours. Et que j'ai un écran plus grand. Voilà, allez, avec Google, donc l'écriture, donc ils mettent recommandation générale, veuillez le lire attentivement et conserver pour référence future avant de commencer un programme d'exercice. Donc là, l'écran est plus grand, donc c'est déjà plus lisible. Bah là, bah le texte, il n'y a pas de mémoire de texte, donc j'ai pas. Si j'efface, ben c'est embêtant. Donc, il faut recommencer la photo. Donc on recommence, on va lui laisser une autre chance. Ça met un certain temps quand même à traduire. Google, c'est un peu plus rapide. Donc conseils généraux, hop. Ah ok, donc si j'aurais fait coulisser comme ça, j'aurais eu accès à la photo. Bon, ça ils ne le disent pas. Donc conseils généraux, recommandations générales. Bon, c'est vrai, quand il y a beaucoup de textes, et là c'est en thaïlandais, Google a l'avantage. Allez, on va essayer. Maintenant en arabe, parce que je sais que comme ça se lit de droite à gauche et pas de gauche à droite, ben je sais que parfois ça peut poser des problèmes. Donc ici je mets langue arabe, voilà, photo. Voilà, j'ai fait mode scanner. Donc on va faire traduire et là recommandation générale, veuillez lire attentivement et conserver. Voilà, donc la traduction vraiment avec Google, elle est vraiment préférable. On a le texte ici, mode scanné, c'est parfait. Maintenant on va essayer avec le traducteur. Avec le traducteur, c'est pas terrible non plus. Donc il y a vraiment des. Au niveau des textes, ça dépend le type de texte que vous avez scanné. Et avec l'appareil photo. Bah, j'ai essayé, on peut pas scanner juste une phrase. Donc si je prends en photo, bah, je suis obligé de tout prendre en photo pour avoir peut-être la phrase du haut. Et ça, c'est embêtant avec Google. Je peux scanner et je peux sélectionner juste la phrase du haut à la place de tout un texte. Et ça, c'est le traducteur au niveau traduction photo, c'est pas terrible. Allez, traduction d'enregistrement. Donc là, la traduction, vraiment, j'ai pas, il n'y a pas au niveau de, il y a la langue française ici, mais traduction d'enregistrement, on va enregistrer. J'ai pas réussi à faire le fonctionner. Donc on va enregistrer. Au fait, ça va. Je mets français, chinois. Voilà. Mais si je veux mettre français, je n'ai pas de langue source. J'ai pas de français, je pourrais pas faire. Voilà, je peux pas sélectionner. Donc je peux sélectionner ici anglais, français. Voilà, donc traduction. Je vais commencer l'enregistrement. Donc ce que je vais faire, c'est on va aller sur YouTube et on va prendre une vidéo
qui parle en anglais. Donc j'ai pris une vidéo en anglais, je vais passer. I don't know, calm down or something. Like you've got much harsh. Voilà, maintenant je stoppe ici. Je stoppe ici. Voilà. Voulez-vous enregistrer? Je fais oui. Je vais dans les enregistrements, je clique sur les trois petits points. Donc c'est le premier. Donc ça a bien enregistré. Et après, on a le... J'ai pas compris. Come on, allez, viens. Et c'est tout ce qu'on a. Donc il faudra peut-être, il faut peut-être attendre. Donc j'ai déjà testé. Mais c'est pas terrible. Et je peux pas aller dans les autres fonctions, utiliser cet enregistrement pour traduire autrement. Donc j'ai pas compris cette fonction-là. J'ai testé en chinois, ça fonctionne pas non plus. J'ai pas compris l'intérêt de cette fonction-là, elle est pas complète. Donc je suppose qu'on enregistre et après on a la traduction qui soit écrite ou orale. Donc je veux bien, mais par exemple ici, je vais vous faire écouter ce que j'ai dit ici. Parce que j'ai pas. En plus, il me fait en espagnol. Hop. Où se trouve la gare? Voilà, et il me met ça. Ok. Bon. De toute façon, en français, en langue source, on a pas français en langue source. Donc langue source, on aura chinois mandarin, chinois traditionnel, anglais ou chinois cantonais. Il ne nous donne pas la possibilité de choisir une autre langue source. Et de toute façon, leur système ne fonctionne pas. Apprentissage. Donc dans apprentissage ici, là ça peut nous aider à apprendre donc dans langue ici, langue cible, chinois. Anglais. Donc on peut pas choisir d'autres langues. Donc si je clique chinois, c'est chinois classique et anglais, chinois États-Unis couramment utilisé. Voilà. Bon. Je peux pas utiliser d'autres langues d'apprentissage. Donc je peux apprendre l'anglais et le chinois. Donc au niveau des langues, oui, là je peux au niveau de la langue source. Là, je peux choisir. Donc, si je veux le néerlandais, par exemple. Donc, si je parle néerlandais, donc ça va traduire en chinois. Mais bon, je vois pas l'intérêt. Moi, je parle français. Donc, je parle français. Donc, si je parle, je vais lui dire. Donc là, par exemple. Ça va traduire en anglais. Voilà, je clique. Donc il faut rester appuyé. Donc je vais rester appuyé. Bonjour, je m'appelle Dingo. Hello, my name is Dingo. Voilà. Donc ça a bien fonctionné. Donc l'apprentissage ici. Donc cliquez pour lire. Donc là, on a un ondulateur. Hello, my name is Dingo. 86. Donc on a un genre de score, mais dans le manuel, c'est même pas expliqué. Donc on a un score ici que pour la prononciation. Hello, my name is Dingo. Hello. Hello, my name is Dingo. Hello, my name is Dingo. Hello, my name is Dingo. On a un suivi avec un pourcentage. Hello, my name is Dingo. Voilà, on clique. Hello, my name is Dingo. Voilà, bon. Donc là, c'est écrit 89. Donc je ne sais pas si c'est pourcent ou quoi. Mais vraiment, il n'y a aucune explication déjà dans le manuel, ni rien sur ça. 电视，电视。
Ah, c'est Teshu. 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 Là, j'ai 87. Donc, ça permet bien de s'exercer et de comprendre. Donc là, c'est bien, une fois qu'on a compris le système, donc je peux dire télévision en chinois et en espérant que le chinois, plutôt en mandarin, je pense, puisque j'ai mis la langue, ici c'est anglais, mais sinon j'ai mis chinois, mais chinois classique. Ok, c'était chinois classique. Et on n'a pas de chinois autre. Donc ils mettent chinois classique. Je ne sais pas à quel chinois ils se font référence. Le chinois classique, je suppose que c'est mandarin. Mais le reste, j'ai pas d'autres précisions. Bon, on peut s'exercer. Malheureusement, bon, on ne peut pas s'exercer sur toutes les langues. On pourra faire chinois-anglais. Mais s'exercer en d'autres langues, non. Ils n'ont pas voulu nous l'insérer, je ne sais pas pourquoi, sûrement pour la mémoire du système. C'est vrai qu'au niveau de la mémoire du système, j'ai pas de référence. Maintenant, on va tester traduction de discours. Donc là, j'ai mis la langue française, hein, la langue dont je parle. Et ici, j'ai mis l'allemand. Donc si je parle allemand, je clique là. Si je parle français, je clique là. Donc ça c'est bien si on veut comprendre et discuter avec quelqu'un. Donc par exemple, si je demande, connaissez-vous un bon restaurant? Kennst du ein gutes Restaurant? Et après, si j'ai en face un Allemand, Kennst du ein gutes Restaurant? Connaissez-vous un bon restaurant? Ah ben mon allemand n'est pas mauvais. Donc voilà, donc ça le traducteur fait son job à ce niveau-là. Donc j'ai pas au niveau de traduction instantanée, c'est la meilleure partie du traducteur. Allez, passons à ma conclusion. Ce traducteur, je suis vraiment très très mitigé. C'est pas le meilleur traducteur du monde, surtout qu'il faut une connexion internet. Donc sans connexion internet, ben il ne sert à rien. Donc vous pouvez l'avoir sur vous, il ne sert strictement à rien, rien ne fonctionne. Toutes les fonctions ben, sont inutiles. Donc on peut même pas télécharger une langue pour se balader avec et dire d'utiliser sans internet, c'est pas possible. Alors que c'est faisable, ils auraient eu agrandit juste la capacité, je pense, de la mémoire, ou nous donner la possibilité d'insérer une carte micro SD ou autre à l'intérieur, je pense pas que ça aurait coûté beaucoup plus d'argent. Et pour 160 euros quand même, hors promo, hein, sinon c'est 130 euros en promo, j'aurais aimé quand même des fonctions utilisables. La traduction de photos, c'est utilisable simplement s'il y a une phrase ou s'il n'y a pas du texte trop l'un sur l'autre. Donc vraiment, l'appareil photo est un peu petit. Donc il faut que le texte quand même soit assez grand et qu'on puisse faire une photo correcte. Donc l'appareil photo, il est bien. L'écran, bah, si c'est un gros texte, c'est quand même embêtant, c'est quand même assez petit. Hein, un écran de 2,8 pouces comparé à son téléphone maintenant qu'on a des écrans de 5 pouces, même 6, 7 pouces. Voilà, donc la traduction enregistrée. Voilà, donc si j'enregistre un dialogue d'un film par exemple, parce que je comprends qu'est-ce que ça dit. Pas très compliqué. Voilà ce que j'ai. Ah, donc le traducteur se moque vraiment de moi. Ça disait que en fait c'est une fille qui disait qu'elle reconnaissait la moto et elle demandait à son coach est-ce que vous le connaissez? Tout simplement.
Et le traducteur a fait ah, ah. Ok, bon. Bon, ça fonctionne pas. Pour la traduction, Give me your opinion. donc si c'est on est en face de quelqu'un, on lui donne le traducteur, par exemple, pour traduire en direct, on peut avoir en texte. Voilà. Sinon, bien sûr, la meilleure solution. Donc ça reste gadget, la traduction d'enregistrement, traduction de photo, si c'est une seule phrase, ça va, et traduction du discours. Donc traduction du discours, ce sera la meilleure façon de traduire. L'apprentissage, c'est un plus, hein, ça nous permet de s'exercer, d'apprendre une langue tout seul, hein, ça, on peut s'exercer. Malheureusement, ben, on peut s'exercer que sur le chinois et l'anglais. Donc si j'ai décidé d'apprendre le russe, le polonais ou l'allemand, ben je ne peux pas. Je peux apprendre que le chinois ou l'anglais. Bon. Au niveau du nombre de langues, on aura 43 langues, mais on aura 63 dialectes. Donc par exemple pour l'arabe ici, on aura l'arabe d'Égypte, hein, égyptien, d'Arabie saoudite, d'Algérie, d'Irak, Maroc, Tunisie, Jordanie. Donc on a vraiment... Donc 43 langues officielles avec 63 dialectes. Les dialectes, c'est quand même important parce que si on prend l'arabe, bah, l'arabe est vraiment différent selon le pays où vous allez au niveau du dialecte. Donc c'est vrai qu'entre l'arabe original et le dialecte tunisien ou marocain, c'est différent. Donc vraiment, il y a des différences de langage. Donc on peut considérer que c'est une autre langue, mais il y a vraiment que 43 langues officielles avec 63 dialectes. L'autonomie de la batterie, on ne sera pas déçu, on va tenir les 10 heures. Donc ils n'ont pas menti sur l'autonomie. En usage intensif, le traducteur, je vais vous dire directement, il va bugger. Si on utilise trop, 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 trop en même temps, il va bugger. Il faudra même peut-être le redémarrer ou l'éteindre et le rallumer. Mais j'ai pas, au niveau fiabilité, il y a encore de l'amélioration à faire sur ce traducteur. Donc moi j'espère que je vous ai tout dit sur ce traducteur. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions sur ce genre de traducteur. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, bien sûr, et que j'ai pas répondu à la vôtre. Vous avez toujours mon site internet qui est dingodorwantech, vous pouvez me contacter. Ou sur les réseaux sociaux. Tous les contacts, donc tous les liens sont en bas de la description. N'hésitez pas à les utiliser, à me contacter. J'ai même une application que vous pouvez télécharger sur mon site internet, donc Dingo de Rouen Tech. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci à vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo de Rouen. As usual, thanks alumni for watching and newer for subscribing. A big thank you in advance. I tell you, see you next week, it was Dingo de Rouen. 像往常一样，感谢校友的观看和星神的订阅。提前致谢，我告诉你，下周见，是 Dingo de Rouen。Your touch, and I will show you just one's enough. Our blood is flowing now, but no, go hard, but no, a spark, but no. What am I doing wrong? I feel your clutch pulling me through. I try not to.